She's wondering if it's going to stay this dark. Yeah. Is Kate focused as well? Yeah. Here and out here. Okay. Okay. Let's go. Look at me, I'm so tall. Like, you're not that tall after all. On ne commencera pas ce débat-là. Faut juste qu'elle fasse attention de ne pas aller là-dedans. Et on est live. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu ne veux pas qu'elle... Il y a un délai de 30 secondes. Ça fonctionne?
Bonjour. Alors, je vais vous demander de prendre vos places. Bonjour, chers parents, chers grands-parents, amis, membres du personnel et élèves. Bienvenue à la cérémonie des finissants 2020. Je m'appelle Kevin Aucœur. Je suis le directeur adjoint à cette école au cœur de l'île et je serai le maître de cérémonie pour vous aujourd'hui. Nous sommes tous réunis ici pour célébrer l'accomplissement de nos 6 élèves finissants 2020. C'est un événement sérieux et important qui mérite d'être souligné. Nous invitons maintenant les 6 finissants à entrer dans le gymnase. Applaudissez-les, soyez fiers d'eux. We are now welcoming our grads to enter the gymnasium. Starting with Alexis Abelé. Alors, Alexis Abelé. Jeremy Hovington. Joshua Calhous. Patrick Lassi. Sophie Laplante. Et
et Océanie Grainville. Faut pas oublier nos amis à maison, c'est pour ça qu'on a ça. Bon, bienvenue. Avant de continuer, nous souhaitons partager notre reconnaissance à la nation Comox de nous accueillir sur leur territoire traditionnel et non cédé pour y vivre, apprendre et jouer. Gilakasla. We respectfully acknowledge that we are standing on the unceded traditional territory of the Comox First Nations. Si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'O Canada. If you are able to, please stand for the playing of O Canada. Merci. Vous pouvez vous rasseoir en quittant le site. Nous aimerions remercier notre personnel ici aujourd'hui qui pourra présenter nos finissants. Aujourd'hui, ça a été toute une planification pour pouvoir réussir à faire cette cérémonie. Alors, nous sommes très reconnaissants pour tous ceux qui ont donné du temps pour pouvoir souligner nos finissants de cette année. Nous aimerions aussi remercier toutes les personnes présentes. We would also like to thank all those present. Joshua, j'espère que tu es prêt. Nous invitons maintenant Joshua Kalhaus, porte-parole de la classe des finissants 2020. We welcome Joshua Kalhaus, 2020 class valedictorian. Tu peux utiliser ton micro, là. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre cérémonie finissant en 2020. Nous avons tous travaillé fort pour nous rendre ici. Nous avons tous fait des sacrifices et connu des moments difficiles pour avoir le privilège d'être ici. Quelques-uns de nous ont été ici depuis la maternelle, puis d'autres on en a rejoint plus tard. Nous sommes tous ici ensemble pour célébrer ce moment. Pour la fête de l'action, chez ma maison, on fait des boutiques et on se fait. Ou quand nous étions chez Sophie en fait écouter. C'est un moment comme ça, nous étions tous ensemble, que je ne vais jamais oublier de la vie. Nous avons vécu un voyage ensemble, pendant toutes ces années. Un voyage avec des bons moments et des mauvais. Mais comme tous les voyages, la nôtre arrive à sa fin ce soir. N'oubliez pas les moments incroyables que nous avons vécu ou les moins bons. Nous faisons tous des erreurs, nous avons peint des erreurs dans le futur. Mais ne laissez pas cela vous démoraliser. Apprenez vos erreurs pour réussir à la prochaine fois. Dans le même temps d'essayer, même si vous ne réussissez pas la première fois. Suivez vos rêves autant que vous pouvez, ne laissez personne s'interposer à trouver vos rêves, parce que c'est votre vie et pas la vie. J'aimerais remercier tout le monde qui m'a aidé à réaliser mes rêves. Océanie, tu as
est toujours en place avec une immense lumière. Sophie, je ne suis jamais ennuyé quand j'étais en classe avec toi, et tu veux toujours transformer une mauvaise journée en une bonne journée quand tu es là. Patrick, tant que tu t'aimes, ce n'est pas autant que moi en classe de physique, mais on était toujours là pour nous aider, même si tu parles pas un euro chaque deux semaines. Sauf que M. Gradier sur ma tête. Jérémy, on a été inégalé en basketball pour forcer les corps à créer un jeune plus grand pour acquérir des faux court shots. Alexis, si on avait un concours de jeux vidéo, tu serais sûrement un champion. C'est toujours un plaisir de jouer avec toi, mais une chose est certaine, tu serais toujours meilleur que toi dans le verre. Maintenant, les professeurs. Madame Anna, tu nous as appris le français depuis la 10e année, mais je ne me rappelle toujours pas si l'accord se fait quand le cible est passé avant ou après le verbe. Merci d'être aussi patient avec nous. Madame Teresa, tu as sorti le côté artistique de tout le monde. Merci de nous aider à s'exprimer depuis toujours, parce que je n'aurais pas cette école sans toi. Madame Lézy, merci de nous avoir raconté les histoires de votre adolescence et vos moments mémorables avec M. Teresa. Ceci nous chauffe le cœur. C'est pas moi qui ai écrit ça, mais je suis sûr qu'elle serait la même chose si j'étais dans ta classe. Madame Christina, vos connaissances en cuisine sont aussi vastes que votre univers. Merci de nous aider à créer tous les meilleurs repas que tu saches et de venir nous chercher pour vous parce qu'elle est tout bon en général. Monsieur Bérez, je suis sûr que moi et Patrick te rendez fous en physique, mais tu étais toujours là pour répondre à nos questions et dire des blagues. Merci de nous apprendre les maths et les sciences depuis la 7e année. Et de me dire que moi, t'es moi quand je comprends pas une question. Monsieur Magno, tu veux relaxer maintenant que moi et Sophie nous sommes en colloque. Je sais que nous étions durs à Canada. Merci de nous avoir appris les maths de haut niveau, le terrain de Pythagore, Pythagore et encore Pythagore. Je n'ai pas eu la chance, mais un de ces jours, je vais sauter par la fenêtre quand tu quittes la classe. Monsieur Montes, il n'y a pas un moment dans la journée où tu n'es pas en train de raconter les histoires ou en train d'aider en avec les études postérieures. Merci de nous aider à trouver notre chemin dans le futur. Et je suis désolé, mais Hitman n'était pas disponible cette fois. Mrs. Nashville, your English classes were always a joy to sit through, and there was always something special every day. Thank you for teaching us how to write poems, short stories, and most importantly, that will teach us about Shakespeare. I think I got that right. Madame Sophie. La foule est que fait le Wikipédia. Merci de me rencontrer à l'école chaque année pendant une barre en France. Désolé pour être aussi client dans le tour. Et maintenant que nous sommes tous gradués, je ne vous ai pas oublié Kevin et Monsieur Kevin. Monsieur Kevin, si ce n'était pas pour ta barre, vous pourriez en utiliser encore une fois. Peut-être en stage et comme vous. Merci pour toujours être là avec mon problème et de me faire me relever une note à 5h30. Je pense que ça m'appelle ça. Absolument. Madame Moussoukou, ton travail sera beaucoup plus facile maintenant que nous sommes partis. Merci pour tout ce que tu as fait de nous aider à nous rendre ici et de nous parler de tes références. Moi, je sais que c'est chaque jour pour savoir ce que tu nous as fait. Et un gros merci à tout le monde qui est là pour nous donner ces idées. Je n'aurais jamais pu demander pour le meilleur ami, le professeur, d'aider les étudiants. Chaque jour, j'ai un peu les amis. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Joshua. Nous présenterons les finissants de cette année en ordre alphabétique. Alors, Mme Lily, en premier, nous invitons Mme Lily Edwards à présenter Alexis Avelé. Il m'a été donné le plaisir de faire les discours de fin d'année d'Alexis. Waouh, j'ai beaucoup de choses à dire en fait. Alexis est arrivé dans notre école en 8e année. Ce jour-là, il a changé ma vie. J'ai réappris la patience, le calme et surtout l'obstination. Car oui, Alexis, quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Le temps a passé et Alexis m'a appris plein de choses. Les différents sauts qu'il faisait en ski, quelles étaient les meilleures marques d'équipement de ski et bien d'autres. Alexis, tu es passionné, quand tu es passionné par quelque chose, tu deviens passionnant pour les autres. Merci de m'avoir appris autant sur le ski.
Cela dit, j'aime toujours pas la neige. Tu es aussi un très bon joueur de basketball. C'est vrai, quand il met des paniers, il met des vraiment bons paniers. Quand Alexis est concentré, il est très difficile à déconcentrer, ce qui n'est pas facile à battre. Quelques années plus tard, il m'a appris que les téléphones Apple étaient mieux que les téléphones Samsung. À l'époque, je possédais un Samsung. Quand finalement, j'ai fait l'effort de m'offrir un iPhone, il m'annonça que Samsung était meilleur qu'Apple. Vraiment ? Devine quoi ? Je viens de m'offrir un autre iPhone. Moi aussi, je peux être têtu. Alexis, ta connaissance en technologie moderne est incomparable. Tu sais tellement sur la téléphonie mobile, les ordinateurs et toutes ces choses électroniques. Tu es au top de la technologie, tellement que c'est un atout de t'avoir à nos côtés quand on les utilise. Mais il n'y a pas que ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais Alexis a une vitesse de calcul mental impressionnante. Demandez-lui le calcul d'un pourcentage et il vous donnera la réponse en 2-2. Tu as accompli tellement depuis notre première rencontre. Même si tu ne le vois pas, moi je le vois. Je suis très fière de tes accomplissements. Quand tu es arrivée à l'école, tu ne parlais à personne et tu ne voulais rien savoir des plus jeunes. Aujourd'hui, tu es amie avec les 10, 11 et 12, tous sans exception. Quand on a commencé à cuisiner ensemble, tu ne voulais cuisiner que pour toi, Sophie et moi. Et cette année, tu as cuisiné pour toute l'école de bon cœur. Tu as fait preuve de générosité et d'ouverture d'esprit. D'ailleurs, en parlant de cuisine, tu ne m'as toujours pas donné la recette des petits gâteaux aux amandes, si merveilleux que tu prépares. Aussi, Alexis, n'oublie pas de dire bonjour à Madame Moussoukou la prochaine fois que tu la vois. Je dis bien bonjour, pas salut. Alexis, je suis tellement heureuse de t'avoir eu dans ma vie. Je te souhaite du plus profond de mon cœur une bonne continuation. À bientôt. Merci, Madame Edwards. Nous invitons maintenant Madame Sophie Aymon à présenter Jérémy Ovington. Bonjour. Juin 2020. Bravo, vous y êtes arrivés. L'heure de la graduation a sonné et c'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui pour vous présenter Jérémy. Jérémy, tu es arrivé à notre école il y a 3 ans. À première vue, tu semblais timide et réservé. Tout ce qu'on savait de toi, c'est que tu aimais le basketball. Au fil des jours, des mois et des années, on a appris à te découvrir et tu t'es totalement transformé. Te voilà maintenant finissant. Tes camarades de classe et certains adultes dans l'école te décrivent comme étant très généreux, poli et respectueux. Certains le décrivent même comme étant un grand dormeur qui pourrait être grincheux à ses heures. J'ai vraiment été étonnée de l'entendre, celle-là. On m'a aussi dit que ce qui leur manquera le plus de toi, c'est ta simplicité, ta spontanéité et ta capacité à rire de tes propres blagues. Moi, je crois que tu es une des personnes les plus authentiques que je connais. Tu n'as pas peur de t'exprimer et de partager tes idées. Avec toi, c'est clair. Tu as de très belles valeurs et tu agis en fonction de tes croyances. Dans les dernières années, tu as vécu des hauts et des bas. Ça faisait partie de la game. Tu as aussi dû affronter des moments plus difficiles, des moments que tu n'avais pas choisis. Mais ce que j'admire le plus chez toi, c'est que tu y vas un jour à la fois. Tu franchis les étapes une à une et à ton rythme. Tu as beaucoup de courage et tu utilises l'humour même quand ce n'est pas évident. Dans le futur, il y aura peut-être encore des roches sur ton chemin. Mais dernièrement, tu nous as prouvé que ce n'est pas ça qui va t'arrêter. Aujourd'hui, c'est avec un diplôme à la main que tu quittes cette école. Tu n'es peut-être pas encore certain du chemin que tu veux emprunter pour ton avenir, mais chose certaine, tu as tous les bons outils pour t'y rendre. Continue de te faire confiance, à prendre soin de toi, à développer tes passions et à rire. N'oublie pas qu'il y a souvent un côté plus brillant et plus positif à toutes les choses. Je te souhaite de trouver dans ton quotidien le succès, le plaisir et la santé. Je suis vraiment fière de vous présenter Jérémy Ovington. Merci, Madame Aymon.
Nous invitons maintenant M. Christel Monconneau à venir présenter Joshua Kallhaus. Une fois de plus, bonjour tout le monde et merci de votre présence. Alors, j'aimerais vous présenter très brièvement Joshua Kallhaus, qui est à notre école depuis la maternelle, donc ça fait exactement 12 années aujourd'hui. Alors, j'ai eu Josh comme élève pendant 3 années, donc les 3 dernières années écoulées, donc celle-ci c'est la 3e. Et Josh a fait preuve de beaucoup de dévouement dans son travail, en produisant chaque fois des résultats remarquables, exceptionnels. Alors, les rapports interpersonnels, Josh a toujours témoigné de bons rapports avec les élèves de sa classe, mais aussi les élèves de l'école en général et l'ensemble du monde du personnel. Ce ne sont pas les collègues ici présents qui vous prouveront le contraire. Alors, je me souviens encore comme s'il y a 2 mois ou il y a 2 ans de cela où Josh est venu me voir pour me dire « Monsieur Monconneau, ça, c'est pas bien passé là. Il y avait quelque chose que je n'avais pas bien vu là, à la correction. » J'ai dit « Oh, excuse-moi, Josh m'a dit « Oui, Monsieur Monconneau, je comprends, tu deviens de plus en plus vieux. » Alors, mais sache que dans quelques années, tu vas joindre notre cours de vie aussi, hein, Josh. Alors, Josh a témoigné de beaucoup de passion sur les sciences, les mathématiques, mais le sport aussi. Et comme exemple, Josh fait partie de notre équipe de la vallée que l'on appelle le Riptide. Et il a aussi obtenu une médaille d'or en provinciaux. Alors, pour la suite de ses études, Josh a réussi au concours d'entrée dans l'armée et à partir de l'année prochaine, il poursuivra donc ses études à l'école militaire de Kingston en Ontario où il va prendre un programme sur 4 ans en baccalauréat et compte se spécialiser en communication. Bravo Josh. Alors donc, nouvel environnement, nouveau personnel et très loin de la vallée, de la famille aussi. Et vous avez compris que les défis que Josh devrait relever sont très énormes. Cependant, Josh, c'est un élève travailleur, très dynamique et sociable aussi. Je l'ai souligné plus haut. Et je suis certain que Josh sera capable de pouvoir s'intégrer très rapidement dans son nouvel environnement. Alors, c'est toujours un moment, là c'est pour terminer, un moment émouvant de se tenir ou alors de s'exprimer devant les élèves en cette fin d'année, devant les familles, les invités, et aussi de se séparer des jeunes comme Josh, qui a toujours été un élève modèle. Et les portes de l'école au cœur de l'île restent toujours ouvertes pour toi et ça nous ferait énormément plaisir de te voir un jour en visite pour la famille, de passer nous dire un petit bonjour. Je t'encourage à garder la même attitude positive et toutes mes félicitations et bonne continuation. Merci. Alors, là, attachez vos tucs parce que la liste de bourses pour Josh est assez longue. Hein? Alors, pour sa part, Joshua reçoit une bourse du club de soccer Comox d'une valeur de 500 $, ainsi qu'une bourse du programme de soccer Riptide de 500 $. Aussi, Joshua est l'heureux récipiendaire de la bourse de la paix, qui a comme objectif de reconnaître et de récompenser les contributions à la vie étudiante et à la promotion du français. La bourse de la paix 2019-2020 est d'un montant de 400 $. Joshua se mérite également une bourse d'entrée de l'Université de Victoria d'une valeur de 3 000 $. Finalement,
comme M. Mokono a dit, il a été accepté dans les forces armées canadiennes comme ingénieur en communication pour les forces terrestres. Joshua obtient ainsi une bourse complète du Collège militaire royal du Canada. Joshua is also earning a $3,000 University of Victoria admission scholarship. Like Mr. Mokono said, he has been admitted in the communication engineering program for the Canadian Armed Forces. And so, he receives a full scholarship for his studies at the Royal Military College. Toutes nos félicitations, Joshua. Bon, là, faut que je prenne ma bave parce que c'était long. Alors, nous invitons maintenant Mme Christina Sylvestre à venir présenter Patrick Laffey. Bonjour, hello. Thank you very much for coming today. Merci pour avoir passé le temps avec nous aujourd'hui pour fêter et célébrer nos finissants. Félicitations à tous les finissants. Je suis très fière de vous. Là. C'est émouvant de vous voir aujourd'hui, finalement arriver à ce moment inoubliable. Félicitations et je te souhaite tous une excellente. Aujourd'hui, je vous présente Patrick. Je vais essayer de ne pas pleurer cette fois-ci. Hein? Je suis honorée de parler aujourd'hui d'un élève dynamique et passionné pour les sports et la nature. Une grande étoile sur la piste de vélo internationale, Patrick représente le Canada au premier rang. Numéro 2 au Canada et numéro 5 dans le monde, même le sol ne peut l'empêcher d'atteindre les plus hauts sommets. Pat a été membre de l'équipe de notre école pour la Grande Traversée. Il est un excellent représentant de l'école au Cœur de l'Île au niveau provincial, fédéral et mondial. Un cœur d'or, il a un esprit collaboratif avec ses pairs et il est toujours prêt à donner de son temps en support à ses amis. Des jambes faites pour courir et un appétit qui n'a pas de fond. Mes meilleurs souvenirs de Patrick seront toujours les journées Terry Fox, où il courait des tours de l'école sans effort, rigolant avec ses amis. Et une fois rentré, sourire radiant sur son visage, il a dévoré son repas comme c'était son trophée. Je m'ennuierai de nos conversations en préparant les repas ensemble et de son enthousiasme pour les repas. Je ne suis pas inquiète pour son avenir, car ce gars-là est dur à battre. Et les défis ne lui font pas peur. Il l'inspire d'aller plus vite, plus haut, plus loin. Je suis très fière de toi. Go, Pat, go! Merci, Mme Sylvestre. Nous invitons maintenant Mme Sonia Belladi à venir présenter Sophie Laplante. Chers finissants, honorable assistance, toutes nos félicitations. C'est toujours une occasion spéciale qui se présente en juin pour célébrer un moment capital dans la vie des élèves, futurs étudiants. Cette année est encore plus spéciale et on n'est pas prêt de l'oublier. Vous comprenez à quoi je fais allusion. Nous célébrons aujourd'hui la réussite, l'épanouissement, mais surtout un nouveau départ vers d'autres horizons des élèves que nous avons vus grandir. Pas seulement grandir, en fait. On les a toujours vus croître, mûrir et changer. Sophie, je te connais depuis 13 années. C'est beaucoup. 13 années, oui. Et tu as toujours été une personne joviale. Comment te décrire? J'ai toujours reconnu en fait certaines qualités à travers les lettres des prénoms. Et donc je ne vais pas me priver pour te décrire. Hein. Alors Sophie, c'est comme moi, est sérieuse, organisée,
Je ne le suis pas. Pacifiste, habile, indépendante et efficace. Pourquoi sérieuse? Parce que tu as accompli tes travaux avec intérêt, réflexion et avec soin. Organisée, tu as toujours suivi les meilleures méthodes pour atteindre tes objectifs. Pacifiste, tu as toujours encouragé la communication, la discussion entre les pairs depuis que tu étais à l'élémentaire. Je me rappelle toujours de cette qualité. Habile, je trouve que tu as de très bonnes astuces pour défendre tes idées sans se retrouver en conflit avec les autres. Indépendante, Alain, qui ne sait pas que Sophie compte sur elle-même pour relever les défis, que ce soit pour s'exprimer ou bien pour agir. Là, ce n'est pas étonnant du tout, c'est ta première qualité, avant le S peut-être. Efficace, parce que tu es proactive et tu fais des choses de façon sûre et rapide, comme un médicament. Sophie s'est toujours impliquée autant dans ses études que dans la communauté et aussi à l'école. Sophie a fait partie de l'équipe de basket à l'école durant 3 ou 4 années. Et là, qui ne connaît pas ses sorties surprenantes et ardentes pour éviter à l'équipe de perdre au moment d'un stress face aux autres équipes. En plus de cette activité à l'école, elle a fait du hockey dans une ligue de la vallée et du bénévolat dans un camp de hockey à la base militaire. On sait depuis longtemps que Sophie aime les sciences. Elle m'a parlé avec beaucoup d'intérêt du domaine de la chimie qu'elle a découvert dans le cours de M. Mokono. Et sans qu'elle me le dise, je devinais combien elle aimait la biologie. À travers sa participation, son attention, son questionnement et sa pensée critique sur les sujets d'intérêt et d'actualité dans le domaine des médicaments, des maladies et de la physiologie humaine. D'ailleurs, depuis une année, elle est assistante dans une pharmacie à Courtenay, ce qui lui permet de se familiariser avec le domaine médical. Et c'est une bonne chance pour ce qu'elle entrevoit de faire. En effet, Sophie compte étudier en sciences à North Island College, puis à Vancouver. Son sujet préféré, c'est toujours chimie-biologie, le domaine de pharmacologie, ou du moins dans le secteur industrie chimique. À l'école, son impact positif est lié à son pacifisme. Elle a toujours été une rassembleuse, un trait d'union entre ses camarades. Elle a co-animé le groupe Empreinte avec les autres élèves également. En raison de sa rigueur académique, sa détermination et son bilinguisme, je suis convaincue que Sophie atteindra son objectif, sera une professionnelle, dans le domaine qui la tient le plus au cœur. Et peut-être un jour découvrir un remède contre tous ces virus qui nous rendent la vie difficile depuis quelques mois. Chers étudiants dignitaires, nous croyons en vos capacités, mais le plus important, c'est que vous y croyez vous-même. Et là, le monde s'ouvre à vous, à tire d'aile pour une escalade personnelle, intellectuelle et sociale. Toutes nos félicitations, encore une fois. Honorable assistance, Sophie Laplante. Merci, Madame Belladi. Fait chaud au cœur, hein? Ouais. Bon. Pour sa part, Sophie reçoit une bourse d'admission d'une valeur de 2 000 $ de UBC. Elle reçoit également une bourse d'admission de 1 000 $ provenant de NIC. Il y a beaucoup d'acronymes. Finalement, Sophie se mérite une bourse du Military Family Resource Center. Alors, bravo pour tous tes efforts, Sophie. Bon, la dernière. Nous invitons maintenant Mme Monica Ashwell à venir présenter Océanie Rainville. It's my pleasure to introduce for you the last of our 2020 grads, Océanie Rainville. Océanie began attending our school in kindergarten with Madame Foucault back when we were housed at Robb Road Elementary. And she moved to Cape Lazo School in grade 1 and here to this beautiful school when she was in grade 4.
She'll leave school with some colorful memories, like pajama day when she was in grade one. Outside at recess, she reached up to her hair to take care of an itch and was stung by a bee under her fingernail. She was so grateful that our school is kindergarten to grade 12, and she could go and find her big sister Soleil for some comfort. She'll remember rolling down the grassy hill at Cape Lazo School with her classmates, a hill that seemed really high, but probably isn't. She remembers feeling proud to finally be old enough to take English in grade 4, and later coffee houses and Shakespeare. She'll remember her pride and astonishment at passing pre-Cal 10, barely passing, but passing. Another powerful school memory for Oceani is the day we spent with Kathy Camilleri and Kwakwaka'wakw Nation Elder Dr. Evelyn Voyager in a Building Bridges Through Understanding the Village workshop. Through role play, Kathy created with us an Indigenous village pre-contact. Central to our experience in that village were four values that Kathy restated and exemplified: love, kindness, generosity, and respect. We who were part of the village all basked in overwhelming feelings of dignity and rightness and warmth. As Oceani reflected on her 13 years in our school, the idea of a village and those words, love, kindness, generosity, and respect, came to mind for her. For her, the school has been a village, a Francophone community that encompasses the very young and the old and everyone in between. Oceani worked hard to maintain her connections, and she's extremely proud to call herself a Francophone. Oceani, particularly in her high school years, has done much in our school to embody those words. She is a passionate young woman, passionate about social justice, about making sure that all voices are welcome and heard, and about the environment. This Grad 2020 event was going to be as green as it possibly could be. Oceani helped organize our school's first ever Pride March. She was involved with Empreinte with the goal of making sure that everyone felt accepted and included in our school community. The list goes on. She was part of SOGI and Youth Environmental Action in the larger community, and the drum awakening ceremony just last week. I had the great pleasure of attending the Soiree in Paris grad fundraiser at our school on Valentine's Day. It was a beautiful dinner in a beautifully decorated gymnasium served by beautiful young people. The entertainment was excellent, as was the company at my dinner table. It was a remarkable, memorable evening. Oceani had a big dream, an inspiring vision of what could be, and then she worked really, really hard to get everyone on board and make it happen. And after graduation, Oceani is off on another adventure. She's been accepted into Concordia University, where she will major in dance and earn a degree in fine arts. Her goal is to become a performer in film and theater. She hopes to take her talent, her passion, and her determination to shape for herself a career both engaging and fulfilling. She and Soleil will be moving together to Montreal as soon as they find an apartment. Oceani, we wish for you a bright future. Continue to walk in love, kindness,
generosity, and respect. Thank you, Madame Ashwell. Océanie reçoit une bourse du Sid Williams Theatre Society d'une valeur de 1 500 $, ainsi qu'une bourse de 1 000 $ de la Fondation Courtney Little Theatre. Océanie is receiving a $1,500 scholarship from Sid Williams Theatre Society. She has also earned a $1,000 bursary courtesy of Courtney Little Theatre. Océanie reçoit aussi une bourse de Comox Valley Lions Club d'une valeur de 1 000 $ afin de l'aider dans ses études supérieures. Océanie is also receiving a bursary from the Comox Valley Lions Club for $1,000 to help her in her post-secondary studies. Finalement, elle est l'heureuse récipiendaire de la bourse de la Fédération des parents d'une valeur de $200. Cette bourse lui est offerte pour souligner sa promotion enthousiaste de la culture francophone dans l'école. Félicitations, Céline. Nous invitons maintenant Mme Moussoukou à présenter le mot de la direction. Chers finissants de 2020, chers invités, chers membres du personnel, nous sommes ici rassemblés pour célébrer, honorer nos élèves. Alexis, Jérémy, Joshua, Patrick, Sophie et Océanie. 13 ans sur les bancs de l'école, il faut le faire. Et vous l'avez fait. Sophie, Joshua, Océanie, 13 ans dans la même école. Oui, félicitations. Chers élèves, j'ai appris que vous faites partie d'une génération appelée Génération Z. Apparemment, Z, c'est pour le zapping. Je ne suis pas sûre de comprendre. Une génération dite caractérisée par les 4 C. Communication, collaboration, connexion et créativité. Apparemment, le monde vous décrit également comme une génération silencieuse parce que vous communiquez à travers la technologie. Cette hypothèse pourrait s'avérer vraie puisque vous êtes né à l'âge du numérique. On dit aussi que vous êtes des entrepreneurs socialement engagés et la diversité est une de vos valeurs. J'ajouterai que dernièrement, on peut vous trouver avec de la résilience, de la détermination et de l'imagination. Ces valeurs vous seront bénéfiques car les événements de ces derniers mois font réfléchir et repenser au quotidien et à l'avenir. En effet, vous finissez vos études durant une année qui sera inoubliable pour l'humanité entière. 2020 est une année qui rentrera dans les archives de l'histoire, mais pour vous, elle sera surtout mémorable pour votre histoire à vous, votre cheminement à vous. Vous achevez une étape et vous commencez une autre. Certains d'entre vous savent quel chemin ils comptent prendre. D'autres sont encore en train de le défricher. Prenez votre temps, allez-y de l'avant et ne prenez pas de raccourcis. N'hésitez pas de changer de direction non plus. Comme quelqu'un l'a dit, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Mon seul autre conseil d'aujourd'hui, c'est que peu importe ce que vous allez entreprendre, écoutez toujours votre cœur. Chers finissants de 2020, le monde vous attend. Il vous appartient. Il revient à vous de le redéfinir. Façonnez-le à votre façon. Je reprends la citation que vous avez choisie. Créez la vision la plus élevée et la plus grandiose pour votre vie,
car vous devenez ce que vous croyez. Oprah Winfrey. Alexis, Jérémy, Joshua, Patrick, Sophie, Océanie, félicitations pour votre parcours et bonne continuation dans le futur. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci, Madame Moussoukou. Bon, le directeur général du CSF, M. Michel Saint-Amand, tenait aussi à dire quelques mots à nos finissants et aux parents. Voici une courte vidéo. Alors, bonjour à toutes et à tous, chers finissants et finissantes. Je vous remercie pour votre invitation à votre événement pour célébrer la fin de vos études secondaires dans votre école. Je ne pouvais malheureusement être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous saluer et à vous féliciter pour tout le chemin que vous avez parcouru en français lors de vos années d'études au CSF. Par ailleurs, au-delà de la célébration des finissants en ligne du 19 juin, je suis heureux que vous puissiez avoir un temps pour vous retrouver et vous tourner ensemble vers l'avenir. Je voulais vous dire qu'au cours de ma première année au sein du CSF, j'ai été particulièrement impressionné par votre engagement. Que nous parlons du Parlement jeunesse, du concours d'art oratoire, du Parlement fusion, du relais franco, ou encore de toutes les activités auxquelles vous avez pu participer, vous êtes toujours passionné et je suis certain que tous vos efforts porteront votre fruit. Le CSF et l'ensemble de la communauté francophone de la commune britannique sont fiers de vous. Permettez-moi maintenant de dire quelques mots à vos parents et à tous ceux qui vous ont entourés pendant votre parcours. Alors, chers parents, tuteurs, tutrices, le CSF vous est reconnaissant d'avoir choisi une école du CSF pour vos enfants pour continuer à faire vivre la francophonie de votre jeunesse. À tous les membres du personnel maintenant, merci d'avoir si bien préparé nos jeunes pour l'avenir brillant qui les attend. Encore une fois donc, au nom du Conseil scolaire francophone de la commune britannique, c'est un grand honneur de vous souhaiter très chers finissantes et finissants une sincère félicitation. Alors voilà, c'est pas rien ça. Bon, nous arrivons à la fin de notre cérémonie et nous souhaitons partager quelques petites annonces. We are coming to the end of our ceremony and we want to share a few announcements. Les parents, invités et membres du personnel sont invités avec les finissants à quitter le gymnase en famille. Nous insistons sur la distanciation sociale. Parents, guests, and staff are invited along with the grads to leave the gym. We are insisting that you follow social distancing protocol. La session de photos avec la photographe pour les familles commencera peu après la fin de la cérémonie. Picture session with the photographer will start shortly after the ceremony. Avant de terminer avec le traditionnel lancer du mortier, nous aimerions faire quelques remerciements. Merci à Mme Teresa Renault pour la décoration et la réception. Merci à Chef Christina pour les sacs cadeaux aux élèves et les gâteaux. Merci à l'AP de l'école qui a remis une carte cadeau à tous les finissants d'une valeur de 50 $.